1, 2, 3, 4, ça marche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Blablabla, on va régler le son. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Je m'en rappelle plus après. Un, deux, un, deux. Je crois que ça va être bon. Il y a moyen de faire des...
On commence quand vous voulez. Ouais, on peut commencer. Ok. Bonjour à tous. Et ça marche. Je crois qu'il faut se mettre là, Jérém. Tu sais, on a une marque. Professional. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va aborder sans transition après la conférence du directeur général de Google France. On va parler de vie privée et design. Je sais pas si tu peux passer la slide suivante, Jérém. Avec ton ordi. On a une petite vidéo. C'est un extrait de Hackers. Un film de 1995. Ouais. Un film qui est assez culte pour nous. C'est un film sur le piratage informatique qui est un petit peu kitsch quand on le regarde, qui a beaucoup vieilli, mais qui parle de pas mal de questions assez intéressantes et qui est assez fun à regarder. Donc je vous le conseille. C'est une introduction juste pour la conférence. Dans le coup, moi je vais me présenter. Je m'appelle Geoffrey Dorn. Je suis designer indépendant depuis une douzaine d'années. J'ai créé mon atelier design qui s'appelle Design and Human il y a 5 ans maintenant. Et au cœur de mes préoccupations, c'est l'utilité du design et ce qu'on en fait et ce qu'on lui fait faire aussi. D'où la question de la vie privée qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Et donc moi, c'est Jérémy Fontana. Je suis directeur artistique chez Wax, une agence en Suisse, à Lausanne. Je travaille sur tout ce qui est design visuel, identité, design web, application. Et comme Geoffrey, tous les deux, on a un background assez orienté technique et informatique. Et les questions de la vie privée, de tout ce qui est technologique, nous intéressent depuis longtemps. Et donc, on essaye d'allier nos compétences de designer et puis notre intérêt pour toutes ces questions-là. Je vais prendre la petite zapette dans le coup. Merci, Jérémy. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous googler, vu qu'on parle de vie privée, ou alors nous quanter, pour ceux qui connaissent le moteur de recherche Quant, qui est un moteur de recherche qui essaye de respecter le plus possible la vie privée, ou nous DuckDuckGoer, parce qu'il existe plein de moteurs de recherche, en fait, en dehors de Google, qui respectent la vie privée. Donc, n'hésitez pas à en savoir plus sur nous, en tapant nos noms sur ces moteurs de recherche. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le Privacy by Design. C'est un sujet important, on en parle hélas encore trop peu. Et c'est la question tout simplement, quand on dit privacy, donc c'est la vie privée. Et aujourd'hui, vous êtes des indépendants, des entrepreneurs, vous travaillez dans des entreprises, vous manipulez de la data parfois, vous créez des logiciels, des outils, des sites internet, que sais-je encore. Et pour tout ça, parfois se pose la question de la vie privée, et se pose la question des données de nos utilisateurs et qu'est-ce qu'on en fait. Nous, c'est un sujet qui nous importe beaucoup. La question du privacy by design, ça va faire depuis les années 90 qu'on l'aborde d'un point de vue très informatique. Alors quand vous cherchez sur Internet privacy by design, tout de suite, c'est des choses parfois un peu complexes, avec de l'architecture réseau, avec des choses qui sont très orientées sur la structure même d'une arborescence et d'une architecture informatique. Tout ça, pour le grand public et pour nous qui sommes designers, c'est compliqué, ça ne nous parle pas toujours, c'est pas évident. Et quand j'essaye de parler de privacy by design à ma mère, personnellement, elle comprend rien. Donc l'idée, c'était pour vous d'aborder et pour nous d'aborder un petit peu cette question d'un point de vue plutôt orienté sur le design. Mais juste avant, pourquoi est-ce qu'on nous a demandé de parler de ce sujet? Tout simplement, comme le disait Jérémy, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et à cœur en deux mots, pour ceux qui suivent. Et justement, on a lancé un petit podcast dont Jérémy peut nous parler. Et oui, en fait, toutes ces questions-là nous intéressaient beaucoup et on en parle pas mal sur Internet. On est assez actifs tous les deux sur Twitter et les réseaux sociaux. Et en fait, ça intéressait de plus en plus de gens qui étaient dans nos réseaux, des gens qui n'étaient pas forcément des gros nerds technophiles. Et en fait, on se disait que ces questions étaient importantes, qu'il fallait qu'on les partage, qu'on discute de ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé le podcast Hackstock, qui est sur la technologie, la vie privée et tous ces domaines-là, mais vu par deux designers qui ne sont pas forcément des ingénieurs informatiques. Et notre but est vraiment de vulgariser ces questions, de parler de la protection de la vie privée, des VPN, des logiciels de messagerie et de l'actualité. Et notre idée était vraiment de faire partager ça à nos amis. Et mon objectif particulièrement était que ma mère écoute ce podcast. Et c'est réussi, elle écoute ce podcast et du coup, elle est sensibilisée à tout ça. Et plein d'autres amis. Donc voilà, on n'a pas une production super, super régulière. Et puis là, c'était l'été. On a fait deux épisodes. Ouais, voilà. Mais le troisième est en production. Ouais, voilà.
Mais là, c'est la rentrée, on va pouvoir reprendre plus sérieusement. Et puis après, on va essayer de lancer plus de débats et d'articles. Donc c'est à suivre. Donc la question de la vie privée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de privacy by design. Ce que j'aimerais aborder aussi avec vous aujourd'hui, c'est le privacy by designers. Designers au sens anglo-saxon, donc des gens qui conçoivent, que ce soit dont le métier est de concevoir, donc le métier qui est designer, ou des gens qui conçoivent des logiciels, comme je disais, des sites internet, des outils, des services, etc. Et comment est-ce qu'on passe de cette transition de le privacy by design au privacy by designers? Comment est-ce qu'on fait cette transition tout doucement? Donc évidemment, je vais faire tomber tout de suite des clichés, parce que c'est important, et je le fais systématiquement quand on parle de design. Promis, on ne parlera pas de beaux objets de design qui valent très cher et qui sont inutiles. Nous, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On ne parlera pas non plus de tout le fashion design. Je ne connaissais pas ce monsieur auparavant. Il paraît que c'est le designer de Instagram. C'est un vrai designer, en fait. On n'abordera pas du tout cette question-là, parce que c'est, pour moi, ce n'est pas du design, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais par contre, on essaiera justement d'aborder l'orientation du design. Alors, très souvent, Jérémy et moi, on entend l'expression « c'est design ». Alors, « c'est design », c'est un petit peu comme dire « c'est joli ». Waouh, cette petite manette est design, sous-entendu, c'est un adjectif et ça veut dire c'est joli. Non, le design, c'est un nom, c'est un vrai mot qui a un passif, qui a une culture, qui a une histoire. Et quand on dit du design, on ne dit pas c'est design. Donc là aussi, on ne qualifiera pas le design comme un argument marketing, un argument de vente ou un argument purement esthétique. On va parler de conception même. Et donc, justement, pour parler de vie privée, on a demandé à Google ce que c'était que le design, vu que c'est une question qui nous préoccupe. Et on a demandé, donc, le design, c'est quoi? Donc, évidemment, quand on tape le design, c'est quoi? Google nous répond, le design, c'est l'aventure. Super, on est bien avancé. Le responsive design, le flat design, autant de tendances un petit peu dans le design d'interface qui ne nous apportent pas beaucoup d'informations. Et puis après, on a demandé si on ne sait pas ce que c'est que le design. On a posé la question, le designer sait. Et donc là, dans les premiers résultats, le designer est à l'origine de la Freebox Révolution. En l'occurrence, c'est ce monsieur, c'est Philippe Stark, que vous connaissez, qui a fait ça. Donc là non plus, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Le designer, c'est quoi? Le designer est-il un artiste? La réponse est non, cherchez pas. Le designer, par contre, est-il responsable de ce qu'il produit? Là, enfin, surprise, Google nous sort un truc intéressant, une question intéressante. Est-ce que le designer est responsable quand il construit, quand il produit, quand il conçoit des services, des outils, des interfaces? Évidemment, pour nous, la réponse est oui. Et c'est là où on commence justement la petite transition, parce que quand on est designer, on va venir aider nos utilisateurs. Tout le monde parle de dire, je veux une interface épurée, simple, il faut que l'utilisateur ne se pose pas de questions, qu'il clique tout de suite, que ce soit évident pour lui. Mais à quel moment commence l'autonomie et à quel moment commence la manipulation? Est-ce que, et c'est là où on aborde des questions éthiques, des questions morales aussi, à quel moment on vient manipuler notre utilisateur? Et ça, c'est des choses, il y a beaucoup d'exemples, je vous invite à regarder un petit peu les questions sur le neuromarketing, c'est assez horrible et en même temps ça existe, c'est tangible, c'est-à-dire qu'ils vous mettent des bruits d'oiseaux dans les rayons fruits et légumes du Monoprix, par exemple, ou ils font pareil sur les parkings de Ikea, pour vous mettre dans la nature et pour vous mettre en condition aussi. C'est important de vous conditionner. Donc tout ça, nous, au travers du design, on essaye de faire très attention et de ne pas aller justement dans cette notion de manipulation. Jérémy, je ne sais pas si tu veux enchaîner. Et justement, dans le design de produits, de services, d'applications, le designer doit toujours réfléchir véritablement à la place qu'il va avoir, à la place qu'il va donner à son travail, à l'importance qu'il va donner, aux conséquences qu'il va pouvoir y avoir. Et cette illustration le démontre bien, en fait. Qu'est-ce qu'on veut apporter à l'utilisateur final de l'application ou du service? Est-ce qu'on veut essayer de lui donner une autonomie pour qu'il arrive à faire quelque chose et arriver véritablement à son objectif? Ou est-ce qu'au contraire, on veut essayer de le manipuler, le triquer un petit peu pour essayer d'accomplir son objectif? Après, on parle beaucoup, on utilise plein de mots quand on veut parler des utilisateurs ou des clients. Si tu veux en parler. Là-dessus, en fait, le principe même du privacy by design, déjà, et en tant que designer, c'est de dire pour qui on travaille. Quand je fais un projet, je le fais certes c'est avec un client, mais en fait, ce n'est pas lui forcément l'utilisateur final, ça va être des gens. Ça peut être vous, évidemment, ça peut être moi, ça peut être Jérémy, peu importe. Et il y a des mots pour parler des gens. Utilisateur, consommateur, usager, cible, bénéficiaire, acheteur. Parfois même, j'entends parler de target. En anglais, ça fait très avion de chasse. Alors qu'on a d'autres mots qui sont beaucoup plus intéressants aussi et qui déjà vont mettre en l'action de construire dans une autre posture. Lecteur, utilisateur, citoyen, personne, acteur,
humain. Et ça, pour moi, c'est aussi un premier pas vers des questions de dire à qui je m'adresse et de quelle façon je m'adresse. On ne fait pas un projet de la même façon si on s'adresse à un consommateur ou à un lecteur ou à un citoyen. Ce sera déjà, la nature du projet sera déjà différente. Donc employer aussi ces mots-là dans la question, même dans l'imaginaire de la question de la vie privée, eh bien déjà, ça nous met dans, on va dire, une dynamique qui est différente. Et en fait, ce dernier mot, ce qualificatif d'humain, est très important parce que dès qu'on commence à l'utiliser, quand on est designer ou qu'on voilà, qu'on conçoit, même qu'on est marketeur ou autre, qu'on arrête d'utiliser le terme target ou cible ou autre et qu'on parle d'humain, ça nous replace tout de suite dans une relation qui est beaucoup plus humaine, naturellement. Et du coup, ça nous permet de mettre la personne et le bien de la personne et tout ce qu'on va lui apporter de manière beaucoup plus importante. Et il y a un manifeste qui a été écrit par un ami, Harald Balkan, qui est le Ethical Design Manifesto, donc le manifeste du design éthique, qui vraiment utilise ce terme d'humain. Et en fait, ça utilise la pyramide des choses les plus importantes, c'est-à-dire que quand on conçoit un produit, un service, une application, un site, peu importe, que ce soit du digital ou pas d'ailleurs, la chose la plus importante, c'est de protéger les droits humains des personnes qui vont l'utiliser. Peut-être que ça vous paraît très utopique ou hippie de dire ça, oui, c'est très bien, on protège les droits humains, mais quand une grosse multinationale qu'on ne va pas forcément nommer lance un produit ou va censurer peut-être des requêtes tu sur un moteur de recherche, par exemple, va censurer des requêtes dans un moteur de recherche dans un pays, là, on vient atteindre aux droits humains des personnes. Ensuite, une fois qu'on a sauvegardé ces droits humains, il faut sauvegarder l'effort humain, c'est-à-dire faire un produit ou un site qui est accessible, qui est fonctionnel, qui est facile à utiliser, donc ça va être, on va dire, l'expérience utilisateur, si on utilise le terme. Et après, on va renforcer l'expérience humaine, donc faire quelque chose qui est esthétique, joli, plaisant à utiliser, dont la personne aura vraiment du plaisir. Et en fait, dès qu'on se met à travailler avec cette pyramide, ça nous permet véritablement de penser non pas forcément à nos objectifs marketing en premier, et puis après à l'esthétique et faire un truc qui est super joli, et puis en accessoire, si on a un peu de budget, bah peut-être qu'on respectera les droits humains. Donc ça, c'est un manifesto qui est sur Internet, que vous pouvez télécharger, afficher chez vous pour essayer de vous remettre ces idées-là tous les jours au travail. Imprimez-le ou gardez-le en grand sur votre ordinateur. Alors en effet, ça c'est une illustration qui a fait rire beaucoup dans les années 90 de Steiner, qui est juste talentueux, un immense caricaturiste talentueux. Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. C'était les débuts d'Internet, on était très contents, c'était très drôle, on était tous anonymes. Et en fait, voilà, l'humour de Steiner, c'était justement de dire, voilà, on ne sait pas qui vous êtes, et ça se trouve vous êtes un chien, ça se trouve vous n'existez pas, etc. On rigolait bien à cette époque, mais c'était les années 90. Et puis en 2012, voilà, aujourd'hui en 2017, il y a Banksy qui a sorti, voilà, dans le futur, on aura tous nos 15 minutes d'obscurité, donc on va dire notre 15 minutes d'anonymat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout à coup de montrer, avec deux citations assez connues, que la balance, on a fait la bascule, et aujourd'hui c'est exactement ça. Aujourd'hui en 2017, c'est même plus 15 minutes d'anonymat, c'est 20 secondes d'anonymat quand on coupe son Wi-Fi, et encore avec la dernière version d'iOS, c'est pas exactement le cas. Mais voilà, quand on coupe son téléphone, tout à coup, est-ce qu'on est un petit peu anonyme? Ah bah non, je suis filmé, ah bah non, il y a le téléphone des autres, etc. Donc à quel moment on est vraiment anonyme, et si on parle d'anonymat, c'est pas tant parce qu'on est tous des agents secrets, on a plein de trucs à cacher, comme on l'entend très souvent, mais c'est aussi un espace de liberté. Si demain, vous avez conscience constamment que vous n'êtes pas anonyme, que vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez, et donc de moins être libre, ben vous allez changer vos actions, vous allez changer votre comportement. Et j'en parlais tout à l'heure encore avec Jérémy, le fait de changer déjà son comportement, ben, si ça avait existé de façon beaucoup plus forte, si la société de surveillance avait déjà existé beaucoup plus forte, il y a peut-être plein de grands poètes qu'on n'aurait jamais eu, plein de grands artistes qu'on n'aurait jamais eu, plein de musiciens, plein de politiques contestataires qui n'auraient peut-être jamais existé, tout simplement parce que ben, y a une époque, on pouvait aussi parfois s'exprimer en étant totalement libre.
Et donc, justement, quand on parle de données, de data, on en parlait d'un point de vue numérique, ça, c'est des images que j'ai faites avec la CNIL. C'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? Parce qu'on peut dire, oui, alors mon nom, c'est personnel, mes empreintes sont personnelles et pourtant, je le déverrouille avec mon téléphone. Mais ça peut être aussi l'adresse IP de mon ordinateur, ça peut être aussi ma signature, ça peut être plein de choses. Et ce qui est intéressant, évidemment, pour une entreprise qui essaye de capter vos données, c'est pas une donnée. C'est pas juste votre nom, en fait votre nom elle s'en fiche complètement. C'est le code UDID de votre téléphone, de votre machine, c'est le croisement de toutes ces données. Et tout à coup, quand on sait que tiens, ce téléphone, sous-entendu cet utilisateur, est à tel endroit, et se déplace à tel endroit, et puis tout à coup il consomme tel élément, et puis, etc., etc. C'est quand on vient croiser ces données que ça devient tout à coup intéressant pour des entreprises qui veulent capter nos données. Et c'est surtout assez important parce qu'on parle souvent, enfin ces grosses entreprises disent souvent. Oui, mais les données sont anonymisées, c'est-à-dire on ne sait pas que ce numéro de série du téléphone correspond à Geoffrey Dorn ou que voilà, tel message a été envoyé par Jérémy ou Julien ou n'importe. Et en fait, ça c'est juste, excusez-moi, du pur bullshit. C'est-à-dire que oui, peut-être que les données sont anonymisées, que telle donnée est anonymisée, mais maintenant en croisant 2, 3, 4 données anonymes, on arrive à rétablir un profil d'une personnalité. On parle aussi de metadata, c'est-à-dire que un email, en fait, quand vous envoyez un email ou que vous passez un appel, par exemple, si on utilise WhatsApp, maintenant Facebook ne peut plus lire les messages que vous envoyez par WhatsApp, donc maintenant il se protège en disant, voilà, on n'a aucune connaissance des messages que vous échangez, mais les metadata, eux, elles sont connues par WhatsApp, c'est-à-dire qu'ils savent qui écrit à qui, à quelle fréquence, à quel moment, et ça devient des données qui valent de l'or en fait, même si... Ça vaut plus cher même que voilà, le contenu même. C'est très très important, et le contenu du message même, maintenant, n'a plus aucune valeur, mais c'est vraiment le comportement de l'utilisateur. Donc il faut essayer de faire abstraction de tout on va dire, le discours de ces grandes entreprises qui disent « les données sont anonymisées, vous n'avez rien à craindre ». Exemple aussi avec... Ouais, voilà, t'en parlais tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus. Aux États-Unis, ça fait longtemps que ça existe. En France, ça arrive. Et puis malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est maintenant, quand vous allez dans les centres commerciaux, votre téléphone est allumé, tu le disais, le Wi-Fi est allumé, parce que voilà, vous venez de sortir de chez vous, vous passez dans un magasin, et il y a une entreprise qui voit que votre Wi-Fi est allumé, elle arrive à avoir le numéro de série de votre téléphone, elle sait dans quel rayon vous allez passer. Peut-être que si vous avez fait des conférences un petit peu avant, peut-être qu'ils en parlaient justement... Mais ça, c'était dans l'autre camp pour essayer de pousser ça. Et en fait, maintenant, donc, vous avez la possibilité de tracer véritablement l'utilisateur à l'intérieur du magasin. Et quand il passe à la caisse, vous savez qu'il a fait l'achat. Donc vous savez véritablement le comportement, où est-ce qu'il a attendu, quels étaient les endroits qu'il a adorés ou autres. Et ça, c'est une véritable surveillance. Et ça se fait dans les rues maintenant aussi, avec tous les panneaux de publicitaires JC Déco qui sont conduits Wi-Fi. Tous les accès publics où il y a du Wi-Fi gratuit, si c'est gratuit, bien sûr, c'est qu'ils utilisent vos données. Donc voilà, c'est un point assez important. Et maintenant, les données sont surveillées et relevées, on va dire, de plus en plus partout. Ouais. Et ce que Jérémy ne vous dit pas, en fait, c'est que lui, il va assister à des conférences où il y a des gens qui vendent ce genre de solutions de tracking, etc., comme un produit innovant, génial. Et il va dans les trucs pour justement... connaître en fait ces mécanismes-là, ces mécanismes de tracking, on couple un achat avec un tracking, avec un téléphone, etc. Et tu vas sur le terrain pour écouter des commerciaux vendre ces solutions-là. J'ai même des collègues qui vendent ça. Voilà, je suis dans une agence digitale, donc c'est des solutions qu'on vend malheureusement, parce qu'ils peuvent être... C'est des solutions qui sont intéressantes pour les clients, de savoir où est-ce que l'utilisateur est allé. Mais on va voir qu'on n'est pas forcément obligé de passer par là pour gagner de l'argent. Et donc voilà, on a fait un petit panorama très rassurant, hein, sur notre société et sur la question de la vie privée. Et l'idée justement, je vais reprendre la petite truc, ouais, merci. L'idée justement, c'est pouvoir de façon active avec le design, donc avec des solutions aussi peut-être simples parfois d'interface, etc., de mécanique de design, comment est-ce qu'on peut mettre en place certaines solutions? Il y a certaines choses aussi qu'il faut éviter. Donc déjà dans les années 70, on a un très grand designer qui s'appelle Dieter Rams. C'est un designer qui a marqué toute l'industrie, on va dire, numérique électronique, qui a beaucoup inspiré Jonathan Ive, le fameux designer d'Apple, au niveau des produits. Donc Dieter Rams, il avait élaboré 10 règles
10 principes fondamentaux sur le design. Et dans, parmi ces 10 principes fondamentaux, il y avait le principe numéro 5, qui était dans les années 70 une référence. Good design is honest. Alors l'honnêteté, on sait tous ce que ça veut dire ou pas, c'est toujours un peu un concept flou. Par contre, lui, ce qu'il définit, c'est de dire, voilà, on ne ment pas à son utilisateur. Un outil a une fonction ou plusieurs fonctions, il faut que la fonction soit claire, il n'y a pas de fonction cachée et un usage précis. Donc un outil doit être honnête, un service et le design doit être honnête. Ça, c'est son premier point hyper important. Un autre exemple ensuite, par rapport au design, c'est une chose qui se faisait beaucoup, c'est d'un point de vue business. Alors, Flash n'existe plus vraiment, désolé pour les gens d'Adobe qui nous écoutent, mais on avait tous ce système qu'on appelle les dark patterns. Alors, les dark patterns, c'est un truc qu'on connaît, par certains d'entre vous connaissent déjà ça, j'en vois qui hochent la tête. Les dark patterns, tout simplement, c'est vous achetez un billet d'avion, et ben, y a déjà les petites cases qui sont précochées sur les assurances, l'assurance voyage, l'assurance annulation, 10 euros, 15 euros, 30 euros, et tout ça, c'est précoché, et après, il faut le décocher. Aujourd'hui, on a des patterns aussi qui nous invitent à cliquer sur suivant, suivant, suivant. Voulez-vous accepter suivant, suivant? Et en fait, tout à coup, c'est des on va dire, qu'on appelle le pattern, donc c'est des mécaniques interactives qui nous obligent à faire des actions qui ne sont pas forcément dans notre intérêt personnel. Donc ça, c'est un exemple avec des cases précochées. Je veux télécharger Flash. Bon, bah, il me suggère de télécharger un antivirus. Voire, il me dit, voilà, c'est tout à fait logique. Ce qui est très utile dès qu'on installe Flash. Ce qui est logique quand on installe Flash, c'est vrai. C'était peut-être de la bienveillance. Un autre exemple aussi, tous ces systèmes, alors ça c'est sur WhatsApp, etc., tous ces systèmes qui vous permettent juste d'être d'accord. Très souvent, on a des interfaces et on dit, vous êtes d'accord? Ouais, mais si je ne suis pas d'accord, où est-ce que je clique? Ah, ça n'existe pas, vous êtes obligé d'être d'accord. Ça aussi, c'est des interfaces qui nous forcent. Demain, si vous faites une interface, prévoyez le système en disant, et ok, si la personne n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui propose comme solution? On perd ce client? On perd cet utilisateur ou est-ce qu'il y a un moyen à un moment donné d'échanger avec lui, de dire ok, qu'est-ce qui se passe? Autre exemple aussi, le Facebook Connect. Aujourd'hui, il y a plein de sites, parfois même des sites dans lesquels on n'a même pas besoin de créer de compte. On arrive, il nous dit connectez-vous avec Facebook pour accéder au site, pour accéder au service. Ok, bon, je clique sur Facebook, machin, etc. Donc tout à coup, le site est au courant de mes amis, de mes habitudes, de mon targeting de publicitaire, etc., etc. Donc tout à coup, il est au courant de plein de choses personnelles, alors qu'en fait, ça se trouve, je voulais juste m'inscrire sur un site pour acheter un produit. Tout à coup, le site est au courant de tout ça. Là, pareil, n'utilisons plus ce genre de système, qui sont pour moi des systèmes très fainéants, c'est-à-dire que voilà, je ne vais pas m'amuser à créer un login, un password, un machin, très machin. Je mets un gros Facebook Connect, ça fera le boulot et il y aura toutes les datas qui passeront au milieu. Moi, j'ai un petit exemple sur Facebook Connect. Il y a quelques temps, j'ai travaillé pour une grosse marque internationale et on faisait un site internet, un peu de jeux, concours et tout ça. Et en fait, j'allais poser les questions sur voilà, quelles données est-ce qu'on va recueillir sur les utilisateurs qui s'inscrivent pour le concours. Et je m'apprêtais déjà à avancer les arguments pour dire il ne faut pas qu'on mette Facebook Connect et tout ça. Et en fait, ma cliente, la directrice marketing d'une grande marque que je ne peux pas citer, m'a dit non mais on s'en fout de Facebook Connect, on s'en fout d'avoir le nom, l'adresse ou l'adresse email de la personne qui va participer. Pour nous c'est pas important parce qu'on vend des produits dans des magasins, qu'on ait leurs données, pour nous ce sera pas important. Et là j'ai dit bon bah voilà, au moins il y a des personnes assez intelligentes et c'est possible, on peut gagner de l'argent, on peut vendre des produits sans avoir à amasser plein d'informations. Parce que le problème aussi c'est que quand on va connecter tout ce genre d'informations, il va falloir les traiter, il va falloir les archiver, il va falloir en faire quelque chose, donc ça peut aussi avoir un coût pour vos clients ou pour les entreprises. Toujours dans les systèmes d'identification et d'authentification, on a par exemple la reconnaissance faciale. Alors ça existe déjà depuis quelques temps hein, sur les Android, Microsoft le fait aussi. Là récemment on a Apple aussi qui a beaucoup fait parler avec la keynote sur la reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone. Un élément moi qui m'ennuie toujours, c'est le fait de dire ok, je me fais pirater mon mot de passe de boîte mail, etc. Je change mon mot de passe. Ok, c'est pas grave. Le jour où je me fais pirater mon visage, je ne vais pas changer de visage. Donc là, en fait, on n'est plus dans le côté, dans la distanciation. On rentre dans la vie privée, voire dans l'intimité. Et c'est des choses que je ne pourrais pas changer. Et ça, c'est hyper embêtant, c'est bloquant. Tout à coup, on a des systèmes de reconnaissance qui sont basés sur la biométrie en général, chose qu'on ne peut pas changer. Et en fait, Apple, ça fait partie de la présentation d'Apple d'il y a quelques jours. Apple fait de la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. Heureusement, ils le font relativement bien, a priori. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont relatives à vos données biométriques, soit aussi bien l'empreinte sur les anciens téléphones que le visage maintenant, ne sont pas stockées sur leur serveur. C'est des choses qui restent sur le téléphone, donc ils n'ont aucun accès à ces données.
Mais ces données, en fait, ces systèmes d'authentification, donc voilà, on se dit, le designer chez Apple s'est dit, ça va être super cool. Voilà, on regarde notre téléphone, c'est bien. Mais ça peut être un problème aussi bien avec l'empreinte qu'avec le visage. Encore une fois, si on pense aux droits humains, il y a des activistes, par exemple, ou des journalistes qui, à des moments, se font arrêter par la police. La police veut avoir accès aux données qui sont sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Et ben, quand on utilise un système de reconnaissance faciale ou de reconnaissance par empreinte, la police peut assez facilement forcer la personne, voire même un criminel qui veut avoir accès à votre téléphone. Il prend votre doigt, il met votre doigt sur le téléphone, il a accès, si vous avez votre compte bancaire dessus, vos emails, un pirate ou n'importe quoi. Donc voilà, là c'est, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est réfléchir aux impacts que le design ou une fonctionnalité qui est super funky va pouvoir avoir sur des personnes. Alors heureusement, on ne fait pas de prosélytisme pour Apple, mais avec toutes ces questions, et puis notamment ces derniers temps avec toutes les questions d'activisme aussi bien aux États-Unis que dans des dictatures, ils ont lancé des fonctions qui permettent de désactiver en deux clics la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'empreinte. Donc voilà, ils ont permis la possibilité d'avancer là-dessus, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Hein. Voilà, donc ça c'est un élément. Pour vous montrer quelques exemples, il y a des services en ligne, services web, peu importe, qui aussi n'ont pas de login, pas de password, pas besoin de s'inscrire. Ça peut paraître presque vieillot comme genre de processus, on a tout le temps besoin de se créer un compte, mais là typiquement on peut créer des to-do list, on peut, là c'est pour héberger des données, pour héberger un site internet, donc ça s'auto-détruit en 72 heures, mais tout simplement je lance le site et je ne crée aucun compte. C'est voilà, j'arrive, je me connecte, enfin je me connecte même pas, je balance mes données, et je balance mon site et c'est hébergé tout seul. Pareil pour PiratePad que vous connaissez peut-être, on n'a pas besoin de compte, pas besoin de login, c'est des outils free to access comme on dit, donc j'arrive, je m'installe et j'utilise l'outil. Et ça, aujourd'hui, moi, j'essaye beaucoup de, quand je fais des services, des outils ou même des applications mobiles, de, au lancement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de créer de compte. À un moment donné, si l'utilisateur veut mettre son prénom, veut mettre son code postal, veut rajouter des infos, pourquoi pas. Mais pour l'utilisation même globale du service, s'il n'y a pas de compte, très bien. On est les premiers à être ennuyés quand il faut se connecter, mettre son nom, son mail, son mot de passe, son téléphone, sa ville, sa date de naissance. Ça nous ennuie parce que c'est long et c'est répétitif et c'est tout le temps la même chose. Donc là, pour le coup, pensons aussi au fait que ce soit possible. Il y a un autre exemple qui est NordVPN. Donc NordVPN, c'est comme son nom l'indique, un service de VPN. C'est pour se connecter de manière sécurisée quand on est sur des réseaux Wi-Fi par exemple. Et NordVPN, en fait, c'est une entreprise qui ne conserve aucun historique de vos connexions. Et du coup, ça devient un argument commercial de dire que voilà, si je me connecte grâce à NordVPN, ils ne vont pas aller regarder et aucune personne ne va pouvoir savoir où est-ce que je me suis connecté. Donc pour des personnes qui veulent, par exemple, télécharger des films illégalement, ça devient intéressant pour échapper à Adopi, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut le faire, bien sûr. Hein. Mais voilà, et en fait, et pour NordVPN, c'est aussi intéressant parce que du coup, ça leur évite de la charge technique. Et bien sûr, il faut être dans un pays ou quelque chose qui, enfin voilà, une entité qui nous permet de le faire légalement. En Europe, c'est malheureusement pas possible. Mais voilà, c'est aussi un argument commercial de simplifier techniquement et de simplifier la vie de l'utilisateur. Et donc, comme le dit Jérémy, tout doucement, ça devient un argument commercial ou un argument d'adhésion par rapport aux utilisateurs, tout à coup, de dire « ça respecte votre vie privée » et surtout, comment est-ce qu'on le montre ? C'est très abstrait pour un utilisateur de dire « cet outil respecte votre vie privée ». On peut dire « ok, je m'en fiche, je ne comprends pas ». Mais par contre, de penser l'interface comme un vecteur qui permet de comprendre que cet outil respecte la vie privée, c'est possible. Ça, par exemple, c'est l'interface d'une application qui s'appelle Signal, qui est l'équivalent de WhatsApp, etc., de Viber, pour s'envoyer des messages, pour discuter. Et tout simplement, dans leur interface, tout est chiffré. Et là, vous avez une interface très simple avec un petit switch pour dire, voilà, mes messages disparaissent. Ok, c'est intéressant. Et puis, au bout de combien de temps mes messages disparaissent ? C'est vrai que personnellement, je ne remonte jamais dans mes SMS d'il y a 5 ans. Je m'en fiche complètement. Si ça disparaissait toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 3 jours, ça me serait complètement égal. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Et donc, en termes d'interface, c'est très minimaliste, c'est très sommaire. J'ai juste un switch on-off, et puis je peux slider droite-gauche. Un autre... Ouais, vas-y, vas-y. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, là, on laisse l'autonomie et le contrôle à l'utilisateur de véritablement choisir ce qu'il veut. Il peut très bien tout ouvrir et puis voilà, les messages sont conservés ad vitam. Et sinon, on a la possibilité de lui donner une, une,
une utilisation très fine. Ça, c'était Signal. Et un autre exemple aussi pour montrer la vie privée, eh ben, il y a Firefox Focus, qui est une version allégée du navigateur Firefox sur les smartphones, ou tout simplement, c'est un navigateur un navigateur Internet qui est totalement anonyme, c'est-à-dire que navigation privée, naviguer, effacer, recommencer. J'arrive, je lance, donc mon interface est très minimaliste. On pourrait dire c'est joli, c'est minimaliste, c'est simple. Tout ce qu'on parlait du design aussi tout à l'heure, avec, je fais ma recherche. Et quand j'ai fini ma recherche, je ferme l'application ou je fais effacer et tout a disparu. Il ne reste aucune trace. Et donc dedans, il y a en effet aussi beaucoup de paramètres qui permettent de bloquer les trackers publicitaires, bloquer des choses qui sont toujours aussi pour récupérer des données. Malgré tout, ça reste quand même une interface très sobre, très, on va dire, très pratique aussi à l'usage. C'est très rapide. J'ai pas besoin de cliquer partout. Je pense au navigateur de Quant. Si vous avez eu l'occasion de tester le navigateur mobile de Quant, qui est un contre-exemple de cette interface. Un autre exemple aussi est Confide, qui est une application là plus ludique, qui vient rendre le côté vie privée presque amusant. Où quand on reçoit un message, il faut toucher les mots. Enfin, il faut toucher ces petites cases orange pour afficher les mots. Donc on peut lire que en lisant ligne, enfin mot par mot sur chaque ligne, et une fois que j'enlève mon doigt, et ben le message disparaît et je pourrai plus le relire, c'est fini. Donc c'est vraiment là, on est dans le jeu presque, c'est-à-dire je suis obligé de lire comme ça. Si je veux le relire, c'est trop tard. Malgré tout, voilà, il y a des expérimentations qui se font dans ce sens pour dire voilà, il y a peut-être des jeux, des interfaces, des choses intéressantes à imaginer encore pour mettre en avant cette notion de vie privée. Pour les amateurs de la série Mr. Robot, il utilisait un peu ce genre d'application, pas exactement celle-ci, mais. Et voilà, et toujours pour mettre en avant aussi la question du privacy par le design, c'est de mettre aussi ce qu'on produit en licence libre. De dire, regardez, c'est ouvert, vous pouvez regarder comment ça marche. Donc ça, c'est la licence Creative Commons, c'est un exemple. Il y a beaucoup de licences qui essayent de reprendre cette notion de mettre en avant cette notion d'ouverture, de liberté, etc. Mais voilà, moi, les applis que je fais sur smartphone, à chaque fois, je les mets en licence. Alors, c'est pas du Creative Commons, parce que c'est du logiciel, mais c'est de la licence libre. Et donc, ça permet aux utilisateurs de dire, ah oui, en effet, les utilisateurs les plus chevronnés, les plus férus, qui vont vérifier, en effet, on me traque pas, on va pas récupérer mes data. Donc, c'est une façon de faire. Et en fait, de faire de l'open source, comme on dit, sur les logiciels ou les sites que vous allez faire, va permettre d'amener cette transparence et cette confiance aussi des utilisateurs. L'application qu'on a citée juste avant, Signal, et l'application de messagerie, tout est open source, c'est-à-dire qu'on peut télécharger le code source de leur application serveur, leur application mobile. Donc si on veut, on peut la recompiler et puis on peut l'améliorer si on veut. Mais surtout, ça permet de voir qu'il n'y a aucune porte dérobée, que tout ce qui est fait dans l'application est réellement sécurisé. Et ça, c'est assez important parce que si on veut véritablement avoir un discours vraiment poussé pour la protection de la vie privée, il faut qu'on puisse aider aux audits externes. Et c'est aussi ce qui est utilisé, qu'il faudrait qu'il soit utilisé, par exemple, pour les systèmes de vote électronique. Le vote électronique est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus. On va bientôt y arriver. Dans certains pays, moi, je suis en Suisse, on utilise pas mal le vote électronique. Et par exemple, à Genève, ils ont mis tout leur système de vote électronique open source. Ce qui, pour certaines personnes un peu conservatrices, paraissait dangereux parce qu'ils pensaient « oulala, on va pouvoir pirater les machines de vote ». Mais non, c'était en fait au contraire. Et l'État de Genève a dit « nous, on veut que les pirates, les hackers, comme on dit, viennent scruter le code et qu'ils nous disent s'il y a des failles, s'il y a quelque chose, des portes dérobées ». Et donc, ça permet une meilleure transparence et une meilleure confiance des utilisateurs. Donc voilà, il y a plein de façons de montrer la vie privée. Voilà, alors, d'un point de vue du design graphique, ça c'est très basique, mais il faut, je pense, dans les interfaces, les services, les outils, représenter cette notion de vie privée auprès des utilisateurs, parce qu'en effet c'est un élément abstrait. On a eu un essai assez infructueux de la part de Mozilla, vous savez, ceux qui font le navigateur Firefox, dont je vous montrais tout à l'heure la version de Firefox Focus, qui avait essayé de faire des icônes qui sont totalement incompréhensibles, on est d'accord, pour de dire, voilà, le fait de dire ces data vont peut-être être vendues, vos data vont peut-être être données à des autorités, etc. etc. Donc il y a eu des tentatives, ça je pense que ça date de quelques années maintenant, c'est un peu vieux, mais je pense qu'aujourd'hui on peut repenser aussi ces systèmes d'explication, de transparence, de logique, et le fait de montrer ça. Un autre exemple aussi avec ici c'était un avocat qui avait réécrit les conditions d'utilisation d'Instagram, mais pour un enfant. Et c'était très lisible, je les ai lus, je les ai compris, j'étais très content. Ça m'a un peu outré de savoir tout ce que Instagram pouvait faire avec mes photos. Et en même temps, le fait de dire, voilà, demain je sors un service, si mes conditions d'utilisation tiennent sur une page ou sont lisibles et compréhensibles par mes utilisateurs, je vais les mettre en avant. Et les gens vont avoir confiance aussi dans mon outil, mon service, et vont aussi pouvoir dire, ok,
je m'inscris en connaissance de cause. Et ça, c'est un rapport de confiance. On aimerait tous, nous, avoir ça en tant qu'utilisateur. Donc pourquoi ne pas l'offrir aussi à nos utilisateurs? Et puis un dernier exemple aussi sur les modèles d'interaction inversée. Alors ça, c'est un terme un peu compliqué que j'ai sorti de ma tête de designer, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui s'inversent. Je veux allumer une lumière, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Logique. Je veux lancer une application, je prends mon téléphone, je lance l'application, elle s'allume et je peux l'utiliser. Aujourd'hui, on a des systèmes dont le directeur de Google France nous parlait, qui est son Google Home, qui en fait, c'est son système qui écoute tout le temps, et de temps en temps, si on veut, on peut les désactiver. Donc là, c'est l'inverse. On est tout le temps dans l'action, c'est tout le temps actionné, c'est tout le temps activé, et si on veut, on peut l'éteindre. Donc là, tout à coup, moi, pour moi, personnellement, ça vient causer des questions d'éthique parce que, et des questions même morales, de dire, voilà, à quel moment mon outil, je ne m'en sers plus, mais il est toujours actif et il est toujours en usage. Il y a eu le cas qui a pas mal tourné, par exemple, des télévisions, des Smart TV Samsung, qui, pareil, écoutaient 24 heures sur 24, en fait, ce que disaient les personnes dans la pièce pour pouvoir, en fait, lancer, pourquoi pas, des applications. Et, en fait, ces données-là étaient diffusées sur les serveurs de Samsung. Donc là aussi, ça pose des questions de vie privée. Autre exemple ? On parlait de Google. Purisme, c'est un fabricant d'ordinateurs qui, lui, a décidé justement de faire l'inverse des interactions inversées, donc qui a décidé de faire la bonne chose. Et en fait, il fabrique des ordinateurs avec des webcams, des micros, donc des ordinateurs modernes. Mais seulement, il y a un petit bouton qu'on voit ici qui permet d'activer ou de désactiver de manière matérielle une webcam. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de problèmes de possibilités de piratage à distance des caméras ou des micros. On peut vous écouter, voilà, une personne, un pirate mal intentionné peut vous écouter. Et bien là, avec un switch véritablement matériel, on peut éviter ça. Donc c'est ces gens, voilà. Pareil, là aussi, c'est fait de montrer la fonction, montrer l'usage. Et puis après, on va parler, pour conclure, du nerf de la guerre, qui sont les modèles économiques. Donc Jérémy, tu veux nous parler justement de ce contraste entre le modèle économique de Google et celui d'Apple, par exemple? Alors, on peut être pour ou contre Google, Apple, aimer les produits, peu importe. On n'est pas ici pour vanter l'une ou l'autre. Mais en fait, il y a un adage qui dit « follow the money », « always follow the money », « suivez l'argent ». Et en fait, si on compare les modèles économiques d'Apple et de Google, Apple vous vend un téléphone mobile, un iPhone, qui va coûter un certain prix. Et si vous achetez le téléphone et que vous le rangez dans votre tiroir et que vous ne l'utilisez jamais, Apple, ils s'en foutent en fait, parce que vous avez payé plusieurs centaines d'euros et voilà, ils ont gagné leur argent. Google, ils vendent un téléphone de manière indirecte, parce que ça va être Samsung, LG ou autre. Mais si vous rangez le téléphone et que vous ne l'utilisez jamais, Google ne va pas être content, parce qu'en fait, Google gagne de l'argent grâce à l'utilisation que vous faites de votre téléphone ou des différents produits. Et en fait, c'est véritablement dans l'utilisation et les différents partages des données que vous allez donner à Google que là, l'argent va être gagné. Donc en fait, ça permet de mettre le curseur à un certain endroit. Et ce qui renvoie juste sur la question des business models. Je travaille beaucoup avec des startups et qui parfois, par fainéantise, se disent « on a une bonne idée, on a un bon projet, mais on n'a pas de modèle économique. C'est pas grave, on va récupérer toutes les datas de nos utilisateurs. » Et quand on aura 1 million d'utilisateurs, il y aura bien un mec intelligent pour faire du pognon avec. Et là, je me dis, ok, je ne travaille pas avec ce genre de boîte, je suis désolé, il y a d'autres modèles économiques plus intéressants, plus pertinents, plus, on va dire, plus riches, plus éthiques aussi sur la question de la vie privée, sur la question des droits par rapport à nos utilisateurs. Et là-dessus, j'invite aussi à se poser parfois la question du modèle économique, comme le dit Jérémy, follow the money. D'où vient l'argent de certaines entreprises? Comment ça fonctionne? Quel est le but derrière? Est-ce que demain, si vous lancez une start-up, une boîte, etc., est-ce que vous voulez vendre des licences, vendre la data de vos users, vendre des services, etc., etc. Là-dessus, il y a plein de modèles très, très, très différents qui existent et pas seulement les modèles qui sont basés sur je stocke des data et je revends en général pour faire de la pub ou alors juste pour récupérer l'argent de la poche des utilisateurs, parce qu'au final, c'est ça. Si on récupère les datas, c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour dire quelles sont leurs habitudes de consommation, d'achat. Ok, donc je vais savoir comment viser pour leur vendre plus de trucs qu'ils n'ont pas forcément besoin. Et en fait, maintenant, on est dans une société où c'est vrai que tout est toujours gratuit, les gens ont du mal à payer. Mais mine de rien, on en parlait juste avant avec Geoffrey. C'est une des questions que j'aurais voulu poser au président de Google. En fait, c'était savoir le prix d'un utilisateur, le prix que vaut un utilisateur à Google ou à Facebook ou à Instagram. Et moi, j'aurais aucun problème à payer un abonnement annuel à Facebook pour qu'ils n'utilisent pas mes données. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est des prix qui sont des fois dérisoires. Ça peut être quelques dizaines d'euros pour une année, voire même moins.
Et en fait, si vous faites des modèles qui peuvent être payants et qui justement vont ne pas pousser à la revente de données, alors peut-être que vous allez perdre une masse d'utilisateurs qui veulent tout, que tout soit gratuit, mais vous allez pouvoir avoir aussi une niche d'utilisateurs qui va peut-être être plus fidèle, et ça va être un argument commercial. Je reviens un tout petit peu avant au business model d'Apple. Il y a beaucoup de gens en fait qui du coup utilisent des périphériques Apple parce qu'ils se disent, ben voilà, eux au moins ils ne vont pas revendre mes données. Snowden, par exemple, disait qu'il fallait, entre le pire et le moins pire, utiliser le moins pire Apple parce que voilà. Mais du coup, ça permet de redevenir justement un argument commercial. Et comme je disais, voilà, pourquoi pas ne pas réfléchir à des modèles payants qui peut-être vous limiteront, mais vous permettront de gagner de la confiance. Et au final, ça vous coûtera peut-être moins cher en termes d'individus et personnel, ça vous coûtera peut-être moins cher de payer un abonnement à 10 € l'année plutôt que de vous faire traquer par de la pub et de consommer, malgré soi, plein de trucs dans tous les sens. Exemple donc d'une boîte qui gagne de l'argent et qui fait un projet justement qui tend à rendre justement l'autonomie et la résilience des utilisateurs, c'est Cozy Cloud, cozy.io, vous irez voir, c'est tout simplement un outil qui permet de brancher ça chez soi et en quelques clics de créer son propre serveur, sa propre boîte mail, son propre système qui permet d'avoir l'intégralité de ses comptes bancaires, mais sur sa machine, chez soi, à soi, et donc pourra faire du tracking de data comme on veut, etc. Mais tout en local, de récupérer ses photos, là encore tout en local, avec ses propres données. Donc on est aussi sur un système de dire, ce sont mes données, je vais les garder chez moi, je vais les posséder, et puis le jour où je veux les mettre en ligne, je peux le faire. Mais en tout cas, j'ai la liberté et j'ai le choix, en fait. Et ça, c'est ce qui nous coûte le plus, c'est d'avoir le choix. Tu veux rajouter un mot là-dessus ? C'est une entreprise française, Cozy. Ouais, qui a été soutenue et dont Tristan Nitto, le fondateur de Mozilla Europe, a rejoint il y a un an maintenant Cozy Cloud. Et qui a écrit le bouquin Surveillance, qu'on vous conseille. On vous invite à lire. Voilà, donc pour conclure, l'idée, c'est en tout cas pour nous, c'est que la question de privacy by design, c'est une question de design avant tout, design dans le sens de conception, pas uniquement interface, mais aussi c'est le design des business models, c'est le design de l'engagement, c'est le design de l'éthique qu'on va mettre derrière, c'est aussi le design graphique, design d'interface, etc. Et donc c'est pour nous, en tout cas, par essence, le design doit intégrer cette composante de la vie privée. Voilà, on vous remercie, on vous laisse sur une petite vidéo, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, vous avez des questions, on est là. Vidéo du film Hacker qu'on vous a mis tout à l'heure, qu'on aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question ? Non, c'est tout bon, vous avez tout compris. Alors attendez, je vous donne le micro et en fait on m'a dit qu'il fallait que vous vous présentiez. Donc on tombe l'anonymat, je suis désolé. Par rapport à la directive RGPD là, qui va être en application au mois de mai 2018, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ou à votre avis ? On l'a dit juste avant, on n'est pas des ingénieurs ou quoi, donc malheureusement, peut-être que je connais le contenu de la directive, mais comme ça, ça ne me dit rien. Est-ce que vous pouvez juste expliquer puis pour tout le monde aussi ? En gros, dans chaque société qui collecte des données personnelles, il doit y avoir un référent qui doit être capable de répondre à la CNIL ou à d'autres organismes pour donner la liste des datas qui sont sauvegardées, comment elles sont traitées, est-ce qu'elles sont transférées à des sociétés tierces, puis etc. quoi. Ben, je pense que ça va dans le bon sens, forcément, mais c'est encore pas assez, malheureusement. Vous parliez de la CNIL. La CNIL est une entité, on va dire, qui a un poids assez important, mais pas encore assez important, malheureusement. Et on a beau faire des dépôts de plaintes, moi j'en fais souvent des dépôts de plaintes à la CNIL, mais ce sont, on va dire, ils ont un pouvoir consultatif, ou je ne sais plus comment on dit ça, voilà. Ils ont... La norme a changé, nous dit monsieur. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du 25 mai 2018, il y a toute une prise en charge qui sera gérée avec des amendements et des amendes très, très importantes pour les grands groupes. Et du coup, ça va poser d'autres soucis. C'est pour ça que la réglementation va dans le bon sens quand même, quoi. Mais malheureusement, quand on parle des grands groupes, des fois, alors on ne va pas encore en reparler, mais certains grands groupes arrivent à échapper à ce genre d'amende ou autre parce qu'ils n'ont pas de domiciliation légale en France ou en Europe. Enfin, voilà. Ça, c'est les directives européennes. Ouais. Ouais, justement, en fait,
par rapport à ce que disait monsieur, c'est juste par rapport au fait de dire il y a une personne référente dans l'entreprise. Déjà, ça permet juste à l'entreprise de dire, ok, en fait, c'est un vrai sujet, l'action de la data et de la vie privée et des données personnelles de nos utilisateurs. Ok, il faut qu'on dédie une personne, ou en tout cas qu'il y ait une personne qui réponde à la CNIL et par rapport à l'État, dire, ok, en fait, on a, faut qu'on réponde à un moment donné. Après, les milliers d'entreprises, voire plus, qui travaillent sur l'action de la data, et il va y en avoir de plus en plus, on a vu dans les conférences, là, c'est un sujet évidemment essentiel, comment on va pouvoir surveiller, contrôler, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi rattacher tout ça, c'est dans le séjour, dans la pratique. Je suis très curieux de voir personnellement comment ça va se passer, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Ça permet juste de dire, ok, j'ai une entreprise, j'assume le fait que je manipule des données utilisateurs. Sous-entendu, je prends mes responsabilités, j'en fais pas n'importe quoi, j'espère. Il y avait une question là-bas, monsieur, il faut donner le micro. Merci pour la question. Bonjour, alors je m'appelle Romain Rosé, moi j'ai créé il y a 2 mois une société de services informatiques exclusivement basée sur du logiciel libre, donc pour, je pense, à peu près les mêmes problématiques que vous. Et je me demande, en gros, à quoi je dois m'attendre, à quel point c'est difficile dans le monde de l'entreprise de faire les choses de manière éthique, à 100%, sans concession, si c'est possible en fait, surtout. Alors c'est une excellente question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, il a créé une entreprise, logiciel libre, et jusqu'où on peut être éthique, jusqu'où on peut, voilà, 100%. Déjà, faut bien faire tomber un truc dans l'imaginaire. Il n'y a pas une éthique, ça n'existe pas. Voilà, il y a plein de façons d'aborder les questions d'éthique. C'est des questions philosophiques, c'est des questions sociales, culturelles, parfois même religieuses. La question d'éthique, elle est très très difficile et longue. On n'a pas le temps de l'aborder dans son intégralité et je ne la connais pas en intégralité. Par contre, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis toujours resté indépendant. J'ai toujours été designer indépendant. Au début, bah, j'ai accepté ce que j'avais comme contrat. Et puis avec le temps, j'ai dit non à plein de contrats, à plein de projets, parce pour des questions justement morales, éthiques, de sens. Parce qu'en fait, on se dit que sa propre mission en tant que citoyen, humain, on en parlait tout à l'heure, c'est laquelle? Est-ce que c'est... on rêve tous d'un monde particulier, un monde meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on a tous certains idéaux. Et parfois, dans sa façon de travailler, on va à l'encontre de certains de ces idéaux. Donc, entre guillemets, on se tire une balle dans le pied, ou on fait tourner la machine à l'envers. Et le fait, pour moi, d'être indépendant et ensuite d'accepter uniquement et de faire des projets aussi en indépendant et des projets que je porte moi-même qui vont aller dans ce sens, dans un sens où on remet le citoyen au centre, on remet les personnes réfugiées en avant, en valeur, on les aide, etc. Pour moi, c'est des démarches aussi dans lesquelles il faut s'engager. C'est dur, on gagne moins d'argent. Après, si notre but, c'était très riche, on n'aurait peut-être pas fait, on serait peut-être pas parti dans cette voie-là. Alors, on aurait fait des trucs sur la data où on aurait été trader. Mais en tout cas, l'idée, je pense que c'est aussi de... Premier truc, c'est de dire non, en fait. Tout simplement, c'est de dire non, c'est de galérer un petit peu. Et puis après, c'est aussi de créer de la collaboration. Le mouvement open source, il est dans cet esprit-là, même si ce n'est pas toujours facile. Le design aussi. En tant que designer indépendant, des fois, on me demande si je ne suis pas trop tout seul. En fait, on fait designer, on travaille toujours avec plein de gens. Je travaille avec des développeurs, je travaille avec d'autres designers, je travaille avec des entrepreneurs, des sémioticiens, des chercheurs, enfin, plein de types de profils très différents. Et c'est dans cette interaction-là qu'il faut poser les questions. À chaque interlocuteur qu'on a, c'est des questions d'éthique, c'est à qui on s'adresse, de quelle façon, la data, les données, le modèle économique. C'est tout le temps des questions comme ça, même au niveau des droits des femmes. Enfin, il y a plein de sujets qui sont hyper fondamentaux et qu'il faut aborder systématiquement dans les projets. C'est ma façon de répondre. Jérémy, tu en auras une autre, j'en suis sûr. Et je pense qu'il faut venir à ce genre d'événement parce qu'il y a la possibilité de rencontrer des élus locaux, régionaux ou nationaux. Et c'est des questions importantes à discuter avec eux parce que malheureusement, le gouvernement français ou certains ministères passe des contrats faramineux avec des grosses entreprises comme Microsoft, alors qu'il y a depuis des dizaines d'années des plans utopiques de passer au logiciel libre dans tous les ministères. Donc voilà. Et en fait, il faut venir, et pourquoi pas proposer des conférences pour montrer que le logiciel libre est une voie qui est viable, sécurisée, qui est plus économique, aussi pour faire travailler des acteurs locaux plutôt qu'une multinationale américaine. Donc c'est difficile, comme le disait Geoffrey, mais c'est une bonne voie et voilà, il ne faut pas avoir peur aussi de venir chercher des designers parce que le monde du logiciel libre est un monde qui a une volonté d'évangélisation aussi très très forte et une éthique aussi assez forte, mais qui malheureusement des fois n'arrive pas à créer des produits ou des services qui sont, comme on le disait, peut-être les deux briques de la pyramide au-dessus, des produits ergonomiques ou des fois esthétiques et du coup qui n'arrivent pas à trouver une masse d'utilisateurs qui ont besoin de,
voilà, qui ont besoin de choses à la Facebook, ou voilà, des choses qui sont jolies et faciles à utiliser. On peut travailler avec vous, donc. Voilà. On peut échanger. Geoffrey travaille avec Framasoft, qui fait, voilà, que tu dois sûrement connaître, qui fait beaucoup de systèmes libres. Donc, venez chercher les designers. On a aussi envie de travailler sur ce genre de projet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a fini, ou je ne sais pas. On reste disponible dans le coin, ouais, si jamais là, vous voulez discuter de manière anonyme. et voilà. Promis. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention. Merci.